Comment est-ce que vous appréciez justement cette évolution contemporaine? On dit c'est le continent d'avenir. Bon, je suppose que vous êtes d'accord avec ça. Ben évidemment, parce que vous avez les matières premières convoitées, vous avez une créativité dans différents domaines, pas seulement l'économie, mais je suis frappé par la technologie. Là, en Angola, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains, la technologie. Mais vous avez aussi dans le domaine de la culture, de la musique, de la peinture. Vous vous rendez pas compte à quel point vous influencez même les Européens. Aujourd'hui, il y a des créateurs ou des créatrices dans la mode avec des couleurs, des formes différentes. La musique de la même manière et la peinture aussi. Donc, il y a une vitalité et vous avez une chance. J'ai envie de dire aux Africains, vous avez une chance, vous êtes jeunes et vous êtes de mieux en mieux formés et de mieux en mieux informés sur les affaires du monde. Alors, je dis, et continuez. Et même, il y a des tas de gens qui veulent investir chez vous. Pourquoi? Parce que vous êtes là. N'oubliez pas ça.